Parce que Martin il va mon salutation spéciale que moi j'ai venu ensemble avec. Amen. Amen. Combien on apprécie le Seigneur pour l'artiste. Dieu, c'est la femme de Kébo. Et matin, nous avons supposé là, mais nous par contre, ça a gagné. Nous parlons au matin. Donc, nous. Je crois que nous avons besoin de prière. Donc, même ça avec d'autres monde qui sont absents, qui parlent, qui t'a remis de prier pour eux. Donc, et avant tout, nous, les reins du corps de Christ saluent l'amour de Dieu. Moi, je dis que les reins du corps de Christ saluent l'amour de Dieu. Donc, on a continué de prier pour Apocherville. Maintenant, on a supposé Orlando avec Pasteur Lunor. Et j'ai gagné un pasteur Dominique, que j'ai gagné, c'était un trio ensemble avec Sœur Ernest, ça fait nos quatre dans la machine le matin. On est du côté Orlando, mais force est de constater, c'est que il y a des choses qui ne dépendent pas de volonté, non, mais à cause du trajet un petit peu long. Et nous sentis tout à bout de pas qu'à supporter le trajet. Et puis, compte tenu de toutes difficultés que nous sommes capables de rencontrer, nous avons
décidé, et de concert ensemble avec Sœur Hermès, et pour nous pas voyager matin. Nous avons du côté Orlando, c'est frère, nous avons assuré service matin pour nous-mêmes. Mais pour une raison ou pour l'autre, le Seigneur fait le consent. Mais toutefois que parmi ça, la prière, toujours prier pour et à Boucherville, et qui ont l'âge très avancé, et puis qui n'ont pas vu de santé dans le moment que il est là. Donc priez pour lui-même, afin que le Seigneur ne va pas me toucher. Maintenant, nous avons gagné deux sujets. Et nous avons deux sujets dans la tête. Nous avons l'affaire. Et il y a à cause de ma histoire, tout en salant, aller sur les lignes, t'absenter et t'absenter. Il y a l'affaire et puis nous y a un sujet qui dit que qui ça m'a fait pour me sauver. Donc, c'est pas dans le film Santé Chant qui fait que m'obliger. Ma pisse est mixée de messages ensemble, mais et ma terme d'arrêter. Oui, la conscience, ça m'a fait moi-même qui est Bible. Alors, j'ai dit que ça, ça m'a dit, ça m'a dit, il faut qu'on Bible, il faut qu'on cahier, il faut qu'on gagne, il faut qu'on plume, cahier, Bible. Il faut qu'on lit le chant, il faut qu'on lit le chant de Sion, et qu'on lit le chant d'espérance. Parce qu'il faut qu'on lit le chant dans le monde. Il faut qu'on bagaille quand même qu'il y ait dans le monde. Et puis tout le temps, bon, tout le temps, on a orienté. Et ou même qui veut l'apprendre. Parce que lors d'une église, voilà, il y a des chikata tout le temps. Il y a des chikata, il faut avoir un mois grandi, il faut être spirituellement grandi tout. Et les gens qui chikata, ils n'ont pas grandi. Quel que soit son bali, toujours été dans le même niveau de chikatria. Donc, on a prié le Seigneur pour ne pas qu'il y ait un saint dans une zone qui a une nature de chikata, ou du moins qu'on laisse le chikata, qui veut vérité dans la chikaterie. Non, c'est l'objectif premier. Non. Et puis, on a encouragé en ce sens tout, les gens qui habitent à chanter, et pas les gens qui habitent à chanter, aller dans le banc derrière. Ça, moi-même, il est un bagage pour moi. Donc, place toujours normal. Et même là, on a grippé et tout, on va faire mon nom grippé. Si on gagne, on fait mon nom. La plus bonne moins comme ça. Donc, maintenant, non. C'est la grande question. Qui ça m'a fait? Répétez pour moi, qui ça m'a fait? Pour me sauver. Et chaque monde doit poser quelques questions, ça, hein? Qui c'est une question qui est extrêmement importante. Qui ça me doit faire pour me sauver? What must I do to be saved? Et question ça, il mérite des réponses. En pile à nous, en pile monde, Dieu a dit que vous sauvez les gens. En plus, le monde capable de dire que nous connaissons qui ça me fait pour nous sauver. Pas tromper des doux. Pas tromper des doux. Même l'on connaît. Si vous ne mettez pas en pratique, si vous ne vivez pas, c'est tant de temps que le monde capable de sauver. Et ça fait que dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, Jésus pour le faire déclaration ça. Il pour le dire au bagage très fort. C'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a entré dans le royaume de Dieu. Mais c'est si là qui fait volonté. Moi je dois comprendre la volonté de Dieu. Même là que moi crois, c'est vrai. Mais, moi, je dois efforcer davantage
pour me présenter devant Dieu comme un homme ou bien une femme éprouvée. Éprouvée veut dire que yon moun yon expérience. Yon moun ti problème pain à café pour faire le pain. D'accord, Vaïso? Moun de goudé va faire le saisi. Moun tout travail va faire le saisi. Gen yon excuse, c'est juste si, yon pile moun prend. Busy. Le vide ça, non? Busy. Ça, c'est des choses inexcusables devant Dieu, mon Dieu. Pas d'excuse devant servir, mon Dieu. Ou du moins, comment faire mal, je ne suis pas capable. Ou bien malade. Ça, ce sont des excuses. C'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, qui a rentré dans le royaume celle-là, mais c'est ça qui fait la volonté de papa qui est dans celle-là. Ensuite, ça dit, ensuite. Le diwan en ce jour-là. Encore mon frère Albert et Emily. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, est-ce que nous allons prophétiser? Non, où? Est-ce que nous allons chasser des morts? Non, où? Est-ce que nous allons faire un miracle? Dans toute nos nouvelles Bibles, dans Matthieu chapitre 7, verset 22, nous dans Matthieu chapitre 7, verset 21, nous sommes 21, nous dans verset 22. Est-ce que nous allons faire un miracle? Est-ce que je vais faire un pile? Aidez-moi. Continuez le niveau, s'il vous plaît. Est-ce que je vais chasser des morts? On a les noms. Maintenant, ils ont bien aimé stand up et puis camper. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ça me permet de me boucher. C'est verset 22. On a les noms. Plusieurs me diront en ce jour-là. En pile là, nous avons dit Seigneur. N'avons-nous tous pas prophétisé dans ton nom? Est-ce que nous pas prophétiser dans ton nom? N'avons-nous tous pas chassé des démons? Sans pour autant nous pas gagner contre l'esprit de la prophétie. Ouais, non, un point du chapitre 14 là, il mandait pour rechercher l'esprit de la prophétie qui sont partis de connaissances que mon Dieu bail. Qui sait qui ça? L'homme a gagné pour le passé. Faut qu'on prophète ou bien on prophétesse que mon Dieu inspire le bail en commission pour le bail. Et l'aile bail, moun sa, lycéon prophète. Et comme ça, pour l'aile bail menti, lycéon qui ça? Lycéon faux prophète. L'esprit de la prophétie existe. Ou pas besoin d'être trop grand pour recevoir l'esprit ça. Continuez. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par est-ce que nous avons fait un pire miracle? Non. Verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement. Alors, ma va dire publiquement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne jamais connu. Retirez-vous de moi. Sortez de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Capela. Mais tu t'as fait, ouais. Si nous avons toute prophétie, ça, on a moins. Nous avons tout don de prophétie, on a moins. Nous avons don de miracle. Pas vrai? Nous avons don pour me chasser en pile des mots. Pas vrai? C'est pas grave. C'est bien. Mais, vos conditions. Si pas nous avons fait ça, yo. Ou à commettre iniquité la donne. Ou à faire ça par ça la donne. Ou à casser mes mouns pour prendre l'argent dans mes mains. Pas vrai? Bon Dieu a dit ouvertement, moi pas de jambes bon. Moi pas de jambes connaît. Donc cela signifie que, qu'on y a là,
sauvé dans la hypothèque. Combien vous regardez ça vous dit? Amen. J'ai pris ça qui t'a dit là. Sauvé dans la hypothèque. Même les miens, tout ça avec ma fille. Pas rien tout dans ça ici, là, là, depuis la plein monde. Ok. Il y a un même miracle. Donc maintenant, on peut se comprendre que ou doit repentir et mener en vie qui saint, ou besoin d'aimer chaque monde qui va côté. Ou besoin remet chaque monde qui va côté dans la volonté de Dieu pendant que ma va prendre volonté de Dieu pour me sauver mon ça. Bon deuxième verset dans remet pour ensemble verset Éphésiens chapitre 2. Dans Éphésiens chapitre 2, nous remet pour ensemble avec vous. Et pendant je dis à la vie grand pile enseignement de Yoa qui enseignait de pourquoi dans bon Dieu déjà sauvé. Nous-mêmes dans le corps de Jésus-Christ, il enseignait les trois phases du salut. Je suis sauvé, ça c'est la première phase là. Je suis en train d'être sauvé, troisième phase là c'est j'ai achevé la course. Ou bien je serai sauvé. Lors dit je suis sauvé, ou besoin qu'on ait de qui ça vous sauvé. Dans Ephésiens chapitre 2, il montre comment c'était mort. Tout le monde répète ça. Dans Ephésiens chapitre 2, il montre comment c'était mort. Même là, il y a deux pieds qui ont marché, même là, il y a deux yeux. M'a gardé même les miens bouche m'a mangé. Eh bien, moins besoin de comprendre ni comme ça. C'est ça qui fait que vous pouvez comprendre mort, ça y a parlé là. C'est pas un mort quand il est dans le cimetière, c'est un mort vivant. Les vies d'église là, l'homme n'y beaucoup délié, mais beaucoup lagué, pied beaucoup lagué. Même Jean-Lazare qui était dans le tombeau, hein, les linges de la mort étaient enveloppés. L'autre monde prend Somme 118, verset 12. Vous m'avez besoin de verser ça en pile. Pendant le nom de tête, là, Somme 118, verset 12. Côté, non, pas là, non, vous êtes Ephésiens 2, sous bois de là pour moi, verset 1er. On allait avec moi. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Besoin de comprendre ça a dit là. C'est ça qui fait que faites attention à mon qui l'aime jouer mon. Amen. 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 Faut faire attention à mon qui l'aime. Mon qui l'aime jouer mon. Mon qui l'aime offenser mon. Alléluia. Dieu bagaille qui cause mourir, c'est offense. Et puis, offense veut dire qui ça jouerait. Qui est différent de la correction. En plus, il faut que nous confondions deux mots. L'homme a corrigé un bagaille qui n'est pas bon, il va dire oui, c'est ça qui va. Et même quand il y a un petit monde, vous voyez l'école, il va continuer l'école pour vous. Mais c'est au même qui grand monde qui connaît l'école là, capable d'utiliser demain. Mais tout autant qu'on force l'école là, c'est que la cruelle va en les faire. Donc, il s'est comme ça. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Deux bagailles qui tuent, ou tout le monde mort. Continuez. Verset 2. C'est dans ça que j'ai marché. Longtemps, j'ai marché là-dedans.
L'on bagay ou habitué la donne. Ou gen longtemps la donne, ou gen 40 ans la donne, ou gen 50 ans la donne. Li difficile pour quitter. Li pas facile pour quitter. Bon, moun tou bagay. Gen moun ki pa d'accord, son bagay pa bon, faut dire bon. Si ciel la bleu, faut dire noir. Li même li di ciel la noir, c'est noir pour répéter le tout. C'est-à-dire que, ou dit, ouais, tableau, ça, c'est couleur, c'est vert, gris. Ça va quand même, mon frère. L'on croise la catégorie, moun sa, il faut prier en pile. Bon, c'est aussi petit moun d'aujourd'hui capable de fortuner. C'est au grand moun, non, c'est au petit moun, non. Parole ou pas gain valeur de l'évangile. Pas besoin de direction. Mais songez petit monde, c'est dit. Ha! Songez petit monde, c'est dit. Bon côté pour aller, c'est moi pour mener là. L'autre fois, c'est normal, on t'a marché là-dedans, on ne connaît pas Dieu. Jésus, moi, bon appel. Jésus va commencer à relayer au petit moyen. Il va dire, viens jouer le papa. Et même Jean avec le prophète Ézéchiel, il dit, ouais, que nos vallées remplies ossements. Là, dans la vallée de la mort, c'est un désert que lui. Pas de l'eau, pas de rien là-dedans. Pas de la rue là-dedans. Il dit au monde pour somme 118 pour moi, verset 12. Quand il parlait de les liens de la mort, m'avait environné. Les liens de la mort. On nous dit, dans Calazar, qui est dans Jean 11, là, on a parlé les seuls de la mort, mais les liens de la mort, qui étaient enveloppés Lazare. Jésus, pour le dire Lazare, dans Jean 11, là, sorti dans ton bois. Pour comprendre, là, il y a deux aspects là, Dani. Un aspect naturel et un aspect spirituel. Les gens qui mourent pas attendre. Même j'en tout. Attendez, ça me dit. Les gens qui mourent pas attendre. Depuis que c'est moi qui parle pas attendre. Ils mourent, ils pas attendre. Mais l'argent dans ton bon que tu es il t'a donné la voix de Dieu. Il t'a donné la voix de Dieu. Il t'a donné la voix de Christ. Il dit Lazare, sors. L'aile tendait la voix de Dieu. Qui s'en fait lui présenter avec toutes les chariots. Suivez avec moi. Tout ça que Marie lui présentait en ce moment. Dans Somme 118, verset. Verset 12 là, nous relais ça, les liens de la mort. Les liens de la mort m'avaient environné. Qui s'est dit dans Somme 118 là? Continue pour moi, mon frère, mais tout le monde prend Somme 118, verset 12. On allait. Elle m'environnait comme des abeilles. Elle m'environnait comme des abeilles, mais, elle s'éteint comme le feu de pie, au nom de l'éternel, de l'éternel, en pièce. Tout le monde répétait ça. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Levez-moi dire alléluia. Alléluia. Mais c'est l'ange sérieux que tu es marié Lazare. C'est même les gens tout. Les gens dans l'église, ils ne peuvent pas adorer. Parce que l'ange là, marié bouche. L'enveloppe tête lui. L'enveloppe yeux lui. L'enveloppe bras lui. Lui tout raide. Et là, pas quitter sa rive. Combien vous voulez samedi? Pas quitter sa vie? Répétez non, pas quitter sa vie? Levez-moi dire alléluia. Mais on a besoin de Jésus, pas vrai? Parce que c'est au nom de Jésus qu'on a coupé l'insaïe au maro là. C'est au nom de Jésus qu'on a coupé.
sont adorés. C'est au nom de Jésus qu'on va couper les mauvais tempéraments, mauvais esprits, mauvais comportements, mauvais attitudes. C'est au nom de Jésus qu'on va tailler en pièce. Ou pas qu'on va tailler avec l'autre bagaille. Ou pas qu'on va couper avec l'esprit. Ou pas qu'on va couper avec pensée. Mais on va couper au nom de Jésus. Problème qu'on a, maladie qu'on a, souffrance qu'on a duré. C'est au nom de Jésus. Il y a un monde qui a servi mon Dieu qui croit que déception ou bien humiliation pas faite pour chrétien. Déception, humiliation faite pour chrétien. Bon, moi-même, m'habitue avec vous chaque jour. Moi-même. Bon, moi-même, m'habitue ça. Bon, j'ai chanté, j'ai chanté. Qui sait, il fait des lois, c'est pas comprendre. Il faut que j'aime un monde. Bon, si sur route, on a pour quelle déception, on a pour quelle humiliation. Et vous l'avez, on dit Alléluia. Bon, moun gap humilio là, pas vrai? Ou bien moun gap metto à terre. Moun qui dit bon, pas besoin. Bon, cap pour la boule, pour le besoin de moun. On a toujours besoin. Le plus petit que je sois. Amen. Amen. Alléluia. Et il y a des problèmes à ce moment-là. Ça dit qu'un bon là, il ne peut pas avoir encore. En tout cas, moi-même, si c'est pour moi-même, qu'aimez-vous. C'est là. Si j'ai un petit problème à ce moment-là, ça dit qu'un bon là. Allez, nous parlons de Dieu, allez. Bon Dieu, nous sommes tellement grand. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. On comprend la baisse ou pas l'occupe. C'est faire la médecine en couronne. Alléluia. Ça y est, on va qu'à sauver. Donc, il y a un orgueil qui m'arrive pour croiser les pieds sur l'estomac. Un orgueil qui est beau en captivité, c'est l'un de la mort que j'ai. Ou pas qu'à libérer. Vous pouvez voir qu'un homme qui est Nicodème, qui va demander le Seigneur. Nicodème. Pour demander le Seigneur deux bagages. Pour demander le Seigneur pour les bagages là. Qui ont un monde capable né de nouveau. À ce qu'il se parle. C'est un docteur de la loi qui connaît toute la loi, qui connaît toutes les législatures, qui connaît les secrets de la loi. Poser Jésus-Christ tout ça. Qui questionne comment on nous finit pour partir ça qui dans Éphésiens chapitre 2. On nous lit ensemble avec moi. Nous tapons marcher là d'ailleurs selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Selon l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Et, comme je vais montrer au matin là, Dieu est esprit, mais Satan, son esprit, il est tout. Ça, ça veut dire. Même dans l'esprit de Dieu qui a entré, l'esprit Satan qui a entré tout. Ça veut dire n'importe qui qui peut abonner l'esprit. N'importe qui pas mettez parfois une clôture dans l'esprit, non, on clôture autour de lui-même. Ou mauvais esprit pas entré, mauvais esprit avant. Donc, cela signifie que pour me sauver, moi je crois. Pendant que vous croyez, non, qui est-ce que vous croyez?
On a les répéter non. Moi je veux croire en Jésus. Croire en Jésus veut dire qui ça? Croire en Jésus veut dire que c'est accepter premièrement des conditions. M'accepter premièrement pour me d'accord avec tout ça Jésus dit faire. Parce que un tout ça m'a des mots faire. Même si beaucoup fin comme tout, mais faut me d'accord avec. Et là, je connais, ou bien là, je apprendre, ce n'est pas un monde qui va apprendre pour me marrer. Au contraire, il faut me dire heureux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est ça, vous répétez. Quand il y a là, on a pas dit où. Il va parler de défaut. L'homme plein de défauts. Mais pour le dire, l'homme plein de défauts, c'est comme ça pour le guider. L'homme plein de défauts, il est plus bon que ça. Répétez l'homme. Il est plus bon que ça. Mais si tu es un défaut, il y a un problème. Mais si tu as parlé, c'est pour dire, l'homme plein de défauts, il est là. Puis on dénonce les défauts. Puis on dénonce les tempéraments. Puis on dénonce l'esprit. On dénonce. Si je crois dans Jésus, Jésus m'a mon pouvoir. Il dit que tu marcheras sur le lion et sur la spic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Et puis ensuite, ça dit encore. Parce que moi, Mélie, parce que moi, mon Dieu a délivré quand? Amen. Et il dit. Tu marcheras sur le lionceau et le dragon. Il va me choisir, non? C'est bon Dieu qui dit, l'homme fils, c'est ça qu'il faut faire pour moi. Mais ceux qui sont va marcher. Parce que si on va marcher, il y en a un facile. Bon, moi, je vais vous dire. On va prier au monde, mauvais esprit, non? Mauvais esprit, non? Il va pas être facile, non? Des fois, mon erreur est facile pour lui non? On m'a habitué à manger avec le plat de maille ou un bali. Cristal. On m'a fait l'amen, non? Amen! Alléluia, on dit amen. Mon habitué avec affaire comme ça, ou pas demander pour le changer? Mais Nicodème, un homme de la loi, un homme qui avait étudié. Non, on nous prend Jean 3, ça va même verset. Verset 3, il va poser Jésus-Christ ça. Qui est un homme capable de faire, né de nouveau. Jésus va répondre. Si vous parlez d'eau et d'esprit, ou pas capable de rentrer dans le royaume ciel là. A fait grande naissance pour qu'il prenne place. Hello. On nouvelle naissance. Et deux naissances l'homme gagne. Une naissance naturelle et une naissance spirituelle. Naturelle, c'est ça. Ça m'a mon pousseau là. Ça naturel. Ça physique. Mais naissance spirituelle, là, on va le prendre lorsque vous plongez dans l'eau. Amen. Qui ça dit là? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. L'expression naître de nouveau veut dire baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, et l'évidence, je parle en langue. Donc, moun qui paie, moun qui parle en langue, qui dit c'est grimace moun a fait, c'est macaque moun a fait, ou pas triste le Saint-Esprit. Tout son pas connaît, tout son pas gagné ou condamné, tout son condamné ou pas, jamais je vois ça. Comment on va gagner? Ou condamner les gens qui travaillent, qui achètent des machines,
Par vrai, on dit, oh, mon nom intéressant, la paix, ou pas, j'en ai raté, non, même. Hello? On dit, mon nom, c'est intéressant, la paix. Amen. Mais même dans tout, l'on condamne, mon nom, c'est l'esprit. On dit, c'est grimace que la paix. Par vrai? On dit, c'est intérêt la paix. Le fait, lui, pas, j'en ai raté sur vous. Ou pas jamais recevoir, même ça naturellement, lors où on a un bel matin, ou t'as demandé, disons, on fait un bel matin, là, du travail, du travail. Oui. Ah, ben, sous travail, sous l'esprit, sous travail, sous nature, sous travail, sous langue, sous travail, sous pensée, ou qu'à recevoir cet esprit, même dans tout le monde. Par l'imposition des mains. Ou qu'à parler en langue, tout, par l'imposition des mains. L'expression naître de nouveau veut dire qui ça ou est un homme. Tout le monde qui est capable de marcher. Et ça fait que la vue, c'est un sens. Bon Dieu, bail. L'on va gagner un lit ou un problème. L'on va vivre dans l'une assise. L'on va vivre dans ténèbres. Hello. C'est la même, s'il vous plaît. Les gens disent, vous notez même. C'est la même, oui, ou pas, oui. Sont à un goy. Ou pas même, ouais, groupe, non? Tu notes, ouais, groupe. Les hommes, vous tombez dans l'une assise profonde. Vous tombez dans ténèbres profondes. Ou pas capable, ouais. Ou pas capable de faire distinction. Ou pas capable de faire ça qui est bon. C'est pour nous parler de bagailles qui bon pour aller maintenant. Bon, je ne vais pas parler de la chair. La chair, c'est l'autre problème encore. Ou alors, il dit, il ne va pas parler de la chair. Là. On allait, verset 4, on allait, puis devant. Nicodème lui dit. Nicodème dit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment? Il y a un monde qui a refait pendant un petit grand monde. Est-ce qu'il a rentré dans votre maman encore? Et pour le boule fait. On allait. Continue. Jésus répond. En vérité, en vérité. Moi dis où? N'est d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus mettait précision sur ça. Donc cela signifie que si vous parlez rentrer dans le royaume, non, tout le monde qui parle du royaume, non, il y a condamné. Tout le monde qui parle du royaume, il y a condamné. Je ne sais pas qui est souillé. Eh bien, tout le monde qui n'est pas d'accord au royaume, non, il y a tout pour aller dans l'enfer. L'enfer est le lieu de la damnation. Le lieu éternel sans Dieu. On les appelle aussi ces jours des morts, les lèmes, ou ceux qui sont décédés avant le Christ. Du latin, infernus, qui signifie celui qui est en dessous. Ça veut dire en bas terre. Il y a parlé de infernus, et inferus. Inferus. Infernus signifie la tombe. Pas vrai? Il y a tout caverne. Caverne sont l'autre type de tombeau. Ils mettent un gros roche devant. Il y a un monde qui est dans le tombeau. Le monde. Hello? Il y a un monde qui est dans le tombeau de la religion. Qui sans vérité. Il y a un monde qui est dans le tombeau de la drogue. Il y a un monde qui est dans le tombeau de la criminalité. Il y a des gens qui sont tombés de la prostitution. Tout ça, c'est Wash qui est tombé, qui nous a révélé. Mais le Seigneur, il y a un appel qui dit sorti côté hier. Combien vous avez des samedis? Amen. Le besoin de un appel de Dieu qui dit sorti côté hier. Amen. Il y a un bagage qu'on va apprendre matin. Le dieu des enfers, il y aurait des Théotapès ou Pluton.
Dieu ça, c'est un Dieu qui écrit avec petit dé. Qui est où ta tête? Ou Pluton, ou bien Dieu des enfers. Eh bien, si l'enfer a existé, pas vrai? Eh bien, nous voyons que nous dit l'enfer, c'est place de la punition pour monde qui n'est pas d'accord recevoir mon Dieu de la vie. Mais non, étude qui plus approfondie, si on étudie l'enfer, pas vrai? Nous voyons que premièrement, l'enfer va vous seulement pour mon nier. Li pour les anges déchus, pas vrai? Li pour le diable et pour ses anges. Li pour la bête et le faux prophète. Li pour tout le monde qui n'est pas d'accord servir bon Dieu, il pour les méchants aussi. Donc maintenant, l'expression bonne, again, ou bien né de nouveau, le dit baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Jean 16, verset 8. Dans même Jean 3, il parlait de ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Tenez bien. Moun kap sauvé yo, y attendé ça l'esprit di yo. Il a parlé de l'esprit, il a parlé de l'esprit, bon Dieu. Y attendé l'esprit, bon Dieu, qui a parlé ensemble avec yo. Il a quitté le Saint-Esprit de Dieu pour un contrôle. Quitter l'Esprit de Dieu, reprouver. Quitter l'Esprit de Dieu, parler avec vous. Pas vrai? Quitter l'Esprit de Dieu, faire gagner ça, l'Esprit de la justice. Bon, comment on peut apprendre au monde? Comment on peut diminuer au monde qui glouton? Un glouton? C'est un monde qui est complètement généreux, il finit de manger par là, il a gardé pour la tout, pour le manger. Comment on va retirer l'esprit ça dans le monde? Voir pour t'apprêter à cette là pour des minutes. C'est dans ça que nous prenons la rue. Mon y a l'esprit glouton. Le gloutonnier ou bien la gloutonnière, pas d'accord pour le prêter plate vous-même. Pour un seconde. Plate il faut toujours rempli. Et manger, mais longueur rempli. Bah ouais. Même s'il va pas marcher, il faut toujours manger à là. Ça, c'est l'esprit glouton. Alors, on y a là, bon, comment on peut aller changer au monde pour ça? Bon, comment on peut changer au monde qui remet l'argent en pile? Qui peut le dire, Jésus peut le dire comme ça? Ou pas qu'à servir deux mains à la fois? Pas qu'à remet Dieu pour remet maman? Soit on remet une, ou rayer l'autre là. C'est vrai? Bon, t'es amen. Voilà, grand monde dans ça. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est le premier principe pour être maintenant libéré. Oui, vous avez besoin d'argent pour servir. Mais pas quitter l'argent, mais comment on va l'apprendre au monde ça? Comment on va l'apprendre au devant l'argent? Il va faire bac. Hello? Devant l'argent, il va négocier avant. Vous allez dans Jésus. On va prendre retenu, par exemple, que avec ça qu'on gagne. Et ça fait que Jésus va l'apprendre nous, disons que si vous gagnez qui ça, la nourriture, si vous gagnez
et que sous gagner le pain, non, sous gagner le pain avec de l'eau seulement, ça suffit pour vous. Tout à l'heure, il prend seulement, tout à l'heure, il y a de l'eau, ça c'est fait. Et pour voir, il faut appliquer ça sur le prophète Élie. Le prophète Élie, il faut nourrir de qui ça? De bouts de miettes de pain. Pendant le cachet dans la caverne, quand vous portez le bali, on tire de l'eau pour passer les rangs. C'est-à-dire que la vie chrétienne, non? Ou doué faire une radiographie de conditions pour un anticoto chita. Koto yé. Est-ce que côté lié? Est-ce que me sauver vraiment vrai? Est-ce que l'esprit que me gagne? Est-ce que me casse sauver avec? Amen. M'a même parlé des amulettes. M'a même parlé de colliers. Et m'a même parlé de petits colliers, de petits anneaux. Les anneaux, les amulettes, etc. Tout ça, pour dire d'une part, l'eau fait ça. Hello. Donc, on va regarder. Ou qu'à sauver dans notre partie, mais là, on peut pas sauver. Dans Acte 3, verset 19. Qui verset me dit, Jean 16, verset 8. Il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde. Qui c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit entre dans la vie, là va convaincre. Là va faire qui ça? La convaincre. La convaincre. En ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. La convaincre pour toi, bagaille. La va prendre la justice. La va prendre qui s'appelle péché. La va prendre le jugement. Bon jugement pour tout le monde qui est là. Indistinctement. Donc le Saint-Esprit est important dans la vie. Il est important dans la vie. Et ça fait que dans Acte 3, verset. Verset 19 là. Et il y a Acte chapitre 14 là. Vous parlez que côté mon Dieu, jetez un regard favorable, sur la nation, choisir un peuple pour tes noms. C'est vous-même. Acte 2, verset 39, ça dit. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. On dit Acte 2, verset 39, on dit Acte 3, verset 19. C'est des bagages. Il dit repentez-vous. Il dit repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Chaque monde de baptisé, pour qui ça? Pour pardon péché. Regardez bien. On va dire très paradoxe au monde, pas qu'à comprendre. L'homme n'aura pas jamais pardonné aux offenses. L'homme n'aura pas jamais pardonné. Mais quand le monde va pardonner aux religieux, Jésus. Jésus pardonne les mondes pour qui ça? Pour péché. Et puis il baille gratis le don du Saint-Esprit. Et puis il continue et il dit, promesse ça passe pour seulement pour vous. C'est pour vos enfants. Il c'est pour vous tous, c'est pour petit tout. Il c'est pour le monde dans la famille qui prête et même ça au qui loin. Et bon Dieu doit arrêter autour. Aussi grand homme que Jean l'ai. Ça fait que l'air, bon Dieu, a brûlé. C'est pas parce qu'on est lié pour vous, mais c'est bon Dieu qui a brûlé. Quand vous venez, moins petit point. Donc, dans Acte 3, verset 19, là, il dit repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement
de la part du Seigneur vienne. Alors tout le monde qui vit dans mon Dieu, tout le monde qui repenti, converti, il est dans le chalet, il est dans le péché. Il est dans l'eau chaude, il est tombé dans de l'eau fraîche. Alors bien monter dans de l'eau chaude, il est arrêté. Hello? Il parlait de temps de rafraîchissement. Donc, dans 2 Corinthiens 5, 17, là, il va être clair en ce moment pour les gens qui sont d'accord pour sauver. C'est-à-dire que si quelqu'un est en Christ, je dis même pas encore, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit. Qui ça dit? Pisséon, nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a écouté. Et cela devient. C'est pas de où ça vient. Pour mon mari, il bat l'estomac, il vous dit c'est moins que pour mon c'est moins que les deux l'église. Non! Il dit cela ne vient pas de vous, mais de Dieu qui vous a donné un mystère de la réconciliation. C'est bon Dieu, bon ministère de réconciliation. Alléluia. Bon, on va regarder dans Matthieu chapitre 5, verset 23, 24. 22, 23, 24. 21, 23, 24. Dans Matthieu chapitre 5, verset 23, 24. Il dit, si pendant, si vous présentez votre offrande devant Dieu, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Qui ça dit? Il dit déposer au fond noir. Tenez bien. Nous avons mis chaque monde qui l'a lu verset ça. C'est un son, je pas monde qui fait ça. Parce que ça, attendez la bonne pour vous, s'il vous plaît. Ou songez au monde. Et pas monde qui songe au côté faire mal. Non. C'est où que songez ou qui fait un tel mal. Combien de monde que ça va faire? Pendant ma prière, je songe que mon frère te joue. Mais pendant ma plat prière, je songe que mon frère te joue. Pendant ma plat prière, je songe que mon monde n'est pas bien avec. Pendant ma plat prière, je songe que mon monde qui est gros vin contre lui. Pendant ma prière, oui. Vous avez dit déposer prière là, là, frère. Moi. Arjoigne-moi d'abord. Reconcilier avec elle d'abord. Et puis ensuite. Viens nous retourner joindre moi, on va présenter au frère noir. À nous lire ça va bien, oui. Matthieu 5, verset 23, il dit si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter. Et puis il dit, verset 25, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. Mais verset 22, là, t'as l'air là. Verset 22, mais moi je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère. Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Mérite d'être puni par les juges. Ça, son verset paraît impossible. Qui paraît impossible devant Dieu les hommes. Mais pour Dieu, il est possible parce que un pasteur son juge lui est tout. Combien vous les abdiens? Ou alors le tribunal naturel, eh bien, Alpha c'est sous juge là, non? Alpha quoi les sous non? La augmenté par nous. Parole, ça va pas l'étendre.
parole pour qui sauve là ou pas pour l'éternel parce que Satan le diable va me sauver. Verset 22, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. Puni par qui? Par les juges. Juge naturel, parce que vous êtes contre avec le monde. Il n'y a pas de punir comme ça. Mais il faut que le bagage là extrêmement compliqué pour la justice entre la dedans. Si vous n'avez fait droit à atteindre la vie, les menaces pour le tuer, ça sont l'autre ampleur. Mais depuis au départ, la Bible a demandé nous pour nous pas en colère contre frères, contre sœurs. Et que celui qui dira à son frère Raca mérite d'être puni par le Saint-Esprit. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guerre. C'est-à-dire que quel bagaille, la Bible demande nous. Ou doué prendre une précaution là-bas. Alors, comment trouver ça? Quel monde n'a pas pris de l'église ici? C'est l'église qui s'apprend différer les pasteurs. Mais tout le temps, ça bon! Pas besoin de votre pasteur, pas besoin là. Et puis le temps de faire, il passer à ton petit bébé et tout. Pas vrai? Ministère d'un secret, oui. Pas parce que c'est tout le bagage à voir pour ton ministère. Alors, parce que, à côté de vie, et tout le bagage à raconter, mais raconter ça, il besoin de raconter. Point barre, et puis je m'accepte ça, il dit non, et puis je me file. Qui sauve les croyants comme ça, ou croyants comme ça, ça c'est où? Le en dans compagnie, il y a sucre en dans compagnie en tout. Alors, par exemple, que vous pensez que mettre travail là, faire le marché, il va aller sur le philosophe, même sous bien avec. Non, il va aller avoir allié. Il va où ça que vous besoin de vous être bas. Ça va être nous soit travail, mais vina aller. Fait du travail, c'est ça, c'est le deuxième nom. Et puis le payo, et puis le final. Les pour faire overtime, ok, on fait overtime. Les pour pas faire tout, ils disent, je vais mettre ça, pas rien overtime. Je vais mettre ça, je vais 47 ans gagné, je vais ni 41, ni 42, mais tout le monde est 47 ans. C'est fini. Pas rien goût maintenant ça. Ça, moi, je dois grandir la donne. Ou doit apprendre à grandir la donne. L'Europe fait affaire pour là, pour pas penser que c'est tout bagaille pour raconter le monde. Non, il y a des bagailles qui sont administratives, ou qui expliquent. Souvent, les pasteurs, comme ils sont par moi, c'est normal pour moi. Parce que les gens ont mis à payer, il faut me dire. Et parce que, qui est-ce qui paye le pasteur? Ça, je réserve à moi-même. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous contribuez, vous contribuez. Si vous avez des pays, vous avez des pays. Vous ne pas comprendre qui est ce pays. Est-ce que vous comprenez, madame? Amen. Ça revient à moi-même en tant que responsable. Parce que quand tu vas dans la chérie, est-ce que vous avez un? Mais quand tu vas dans la chérie, hello. Mais je viens d'avoir un caoutchouc. Ou bien je viens d'avoir un problème. Oh, je ne vais pas arriver dans la semaine de la marche. Ah, il y a un pas. Nous, nous avons demandé un pile comme vous. Parce que nous avons demandé un pile comme là. Un pas de biche. C'est Régis de la tombe. 10 000 filles qui vont avoir encore. Un cachet, 10 000 filles, tu vas attendre. Le téléphone sonne, on va attendre.
Alors, quand il y a des gens qui ont besoin, c'est le monde qui a besoin de bâtir, mon Dieu. Parce que je suis en bilan, tu as dit, quel est ça? Est-ce que vous avez besoin? Nous n'avons pas besoin de pile. Nous n'avons pas gagné. Mais on va dire que c'est pour gagner, non? Et pas ça, on dit. Je ne suis pas en pile, mais quand même, je connais que l'abservine tout. Mais tu n'as pas de gaz, non? Mais tu gaz. Ça fait. Ça faut vivre tout. Est-ce que vous comprenez ça, bien? Donc, ça, il fait partie de sauver. Pour le monde qui va avoir une miséricorde, bon, ok. On va parler bon. Hein? Jésus dit je vais monde. Qui plantait miséricorde, la miséricorde. On se voit remplir de miséricorde. Comment on va faire jeune miséricorde? Moi, je vais vous dire, dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 3. Il dit, heureux les pauvres en esprit. Il a parlé de pauvres en esprit. Est-ce que c'est mon drogue? Est-ce que c'est votre qualité là? Les pauvres en esprit, c'est le monde qui d'accord descend devant mon Dieu. Les pauvres en esprit, ils ont une nature humble. Pour me montrer un bagage, un pauvre naturel, l'on fait le cadeau de bagage, qu'est-ce que réaction elle fait? Et vous les voulez sur le bon calotte? Non. Ouais, avec toute humilité, li, la fait des gestes. Bon, moi-même, me faites quoi d'autre? C'est nous, capitaine. Je vais faire quoi d'autre? Maintenant, l'université de Port-au-Prince, sur tout le monde, je suis pauvre. Je suis un bandit arrogant. Bandit qui campe sous des pieds, pour qu'il fasse le cadeau de Mimando, mais vrai pauvre là, il a toujours une humilité extraordinaire. Il n'y a pas de monde qui va montrer ça. Si on m'a demandé dans la vie quoi le film, c'est des bagages différents. La voix arrogante, c'est normal. Ou même qui n'a pas fait distinction, ou pas faire distinction ça, tant pis pour vous. Mais moi-même, dans toute naissance, moi, dans toute jeunesse, moi, sur toute ma route, quand fait un cadeau de plat manger, allez, tu m'as pas là. Il va ici, Haïti. Mon Dieu a béni nous, mon Dieu a béni famille, mon Dieu a béni maman, mon Dieu a béni toute qualité de race. Parce qu'il n'y a pas d'espèce que je n'ai pas le passé, il va manger mon plat chaud. Donc, il est important pour nous comprendre comment vous nous sauver. Heureux la pauvre en esprit. Quand le royaume des cieux est à eux, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Un monde qui est miséricordieux, c'est un monde qui a l'esprit de compassion. Compassion, mon Dieu, dans la vie, dans tout sens. Et pour avoir une réponse, tu vas chaque saoudou, ou toujours on va esquiver, ou pour la donne. Bat pour ça, va arriver encore. Accepter la vérité à l'envers. Et puis, tu dis, Seigneur, aide-moi. Heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui ont le cœur pur. Quand ils verront Dieu, heureux ceux qui procurent la paix, quand ils seront appelés fils de Dieu. Les gens qui
qui d'accord pour travailler pour la paix, c'est mon dire maturité. Si mon petit pas aimé, c'est mon bon exemple. Si mon petit, les lois de mon abgoumé, ça le fait. C'est chauffer, chauffer. Mais mon qui est responsable, il calme ça. L'esprit de tumeur, en bas l'esprit de tumeur. L'esprit de zizanie, en bas l'esprit de zizanie. Li pas mené aucun côté. Il va mener à aucun côté. Où doit sauver, moi, doit sauver. Est-ce que c'est samedi? Vous dites le verset combien? Ok. Verset 9. Ok. Moun qui a une nouvelle naissance. Moun qui sauvé de péché passé. Qui s'en connaît au besoin? Le besoin d'assistance spirituelle. Hello. Il y a besoin de monde pour qui encadre. Faut chaque monde n'a pas en mesure pour enseigner n'importe qui vient dans la réalité. Parce qu'il y a suffisamment de bagages dans le monde pour enseigner. Pas jamais pour un monde seulement. Pas j'aime bien avec moun seulement. Pour des choses personnelles. Mettez ça dans tête. Moi bien avoir pour Jésus. Autant de fois que nous pas qu'à aller sans en aller. L'Esprit bon Dieu qui a guidé nous. C'est l'Esprit bon Dieu qui a invité un paquet de bagages. N'importe moun bien avec les gens diable dans tête. Ou même ou marale, ou se dit, ou des choses pas personnelles. C'est ou qui me dit si bien un cabaret pour manger. Souvent comme ça, nous ça, je dis. Il y a un pasteur Paul qui a prêché un message dans cette zone là. Qui dit que humus est lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Si vous comprenez l'homme avec le monde, sans Jésus, et rive au rive, son loup qui boit côté au cap veille pour le manger. L'homme est un loup pour l'homme. Un homme sans Dieu est un loup. Mais un homme qui craint Dieu, son loup nié. Même si l'esprit mal dans la tête, il a réfléchi. Mais il y a un monde qui parle de mon Dieu, il n'a pas hésité en seconde. Et ça fait que même mis en garde que ben, tout le monde a choisi mon Dieu bien. Moi-même, je dis ça, je suis mes amis. C'est Jésus qui est ami. C'est plus mon ami qui est capable de gagner. Ah ouais? Jean-Mim, c'est Jésus. Pour me remon, il faut que je remè Jésus tout. Pour m'apprécier. Dès objectif à se remè Jésus. Amen, Jésus. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Tout le monde dit recevoir Jésus. Il va au pouvoir. Tenez bien. C'est Jésus qui va au pouvoir. Maïso. Dans Jean 1er, verset 12. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Jésus dit Nakaïli, c'est les Juifs. Que nous comparons à Matthieu chapitre 11. Matthieu, chapitre 20, verset 1 à César, qui c'est la parabole des ouvriers loués à des bonnes heures. Qui c'est le premier groupe qui va la faire. Les ouvriers à la troisième heure. Elle est venue chez les. Et on se voit appel là. Ah, le bon qui va appel là.
Ça va se faire un là. Ah, moi, c'est Jésus, même ma tête, moi, c'est moi, voyant. Jésus, bon, bien, je. Selon cœur. Amen. Et moi, capricho. Vous pensez que c'est Titi Jack sous dépression? Non. Non, exactement. Bon, il y a un monde. Il y a une façade. Mais bon Dieu, pas où selon cœur? Elle est venue chez les siens. Ils n'ont pas recevoir Jésus. Il y a maintenant qui fait un annexion, il faut un amendement pour le monde qui recevra. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bah, au pouvoir de vivre petit moins. Kounia, si bon Dieu va au pouvoir de vivre petit, ou vivre petit bon Dieu, après on finit baptisé. Et bah avant, non? Après. Des créatures avant, mais après. Les bons pouvoirs pour une petite vie. Il dit, mais quels sont-ils? Ni la volonté de la chair. Volonté de la chair, pas qu'à faire ça. Ça fait que, sous charnel, ça qu'a dit là, pas pour vous. C'est normal pour vous que son obstacle pour vivre. Après, c'est normal. Pourquoi ça? Il dit, ni de la volonté de la chair. Il dit, deuxième volonté, ni de la volonté de l'homme. La volonté de l'homme, éducation, recevoir, toutes sortes d'instructions qu'on recevoir dans la vie. Il dit, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ça dépend de volonté de Dieu. Ça veut dire qui ça? Bon Dieu, Réléo. Il a un beau pour sauver des tout. Pas maintenant des tout, c'est éteint, on va garder pour sauver. Non. Chaque monde a fait pas de gagner. Le salut personnel de gagner pour sauver. Combien de monde m'a dit, il va dégager pour sauver. Dégager pour sauver. Dégager pour sauver. Levez mon Dieu, il va dégager pour sauver. Levez mon Dieu, alléluia. 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 Il va dégager pour sauver. Dégagez-vous pour me sauver. Alléluia. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Levez mon être. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous, un travail, cet esprit capable de faire. T'as vrai? Romains 3, verset 23. Il dit, tous ont péché. Tout le monde péché. Mais c'est péché qui cause, qui fait eux, qui bat au la privation, qui prive de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23, 23. Tous ont péché et privé de la gloire de Dieu. Fais-moi avoir raï, ça n'est pas bon. Non, moi. Fais-moi raï péché. Fais-moi raï. L'église a grandi. Jean Vléan. Ou bien Jean Vléan. C'est là où d'accord qu'on y a maintenant pour humilier devant mon Dieu. Amen. Ou d'accord pour faire volonté de mon Dieu. Pour ne pas sembler avec le monde. Pour ne pas parler même avec le monde. Et il y a plus de monde qui aime verser ça. Qui dit que si quelqu'un. Il dit n'aimez pas le monde, il y a des choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père. Oui. Si quelqu'un aime le monde. L'amour du Père. N'est point sans Dieu. Quand on va dire qu'on n'a pas qu'on nous dit, quand nous dit, quand nous alléluia. Très bien. L'amour du Père n'est point en lui.
Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un aime le monde, si on aime le monde là, aime le monde là, je dis qui ça? Tout brigandage qui est dans le monde là pour aimer. Et là, je dis, aime le monde, tout brigandage qui est là-dedans. Tout brigandage qui est dans le monde là, on aime. Ça ne veut pas dire qu'on utilise les bagages qui sont là-dedans. Mais si vous prenez un sac là-dedans, c'est mal ou pas avec. C'est l'autre bagage qui est là. Mais ça, ça ne va pas m'écrire. Si je me tape écrit, je ne vais pas m'écrire. Il y a des gens qui m'ont mis par eux. Dans le bord, il y a un grain de feuille. Tu as retiré tout ça pour pas aimer le retirer. Il s'appelle une Bible. Si quelqu'un aime le monde, alors quand même, ça va passer à Haïti, quand même, comme ça. Non. Ça va passer au groupe de crème, comme ça. Oui. Il a dit que si tu as l'amour de chaque monde, il va être comme ça. Si tu as Jésus dans chaque monde, il va être comme ça. Ou mettre le vœu qu'on frappe à terre. Si tu as Jésus dans yo, il va être comme ça. Leurs besoins font pas vie. Pas vrai? Tout le monde est comme non, on va pas faire bien. Pourquoi nous avons verre à qui dernier? Chaque bon coulet, et pourquoi la fille de papier n'est pas bon encore? Alors, si bon Dieu est dans chaque grain de monde, si l'amour bon Dieu est manifesté dans chaque grain de monde, comment on va y aller? Il s'est béni, il va voir, il s'est béni, non? Garde là dans le pochoir, où elle marque. And God with us. Même si on va finir parfait, mais on montre où là. Je ne suis d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Amen. Amen. Donc, là, je ne vais pas écrire le verset. Je ne vais pas dire dans le diable, mais quoi, non? Il va dire, and God with us. Allez, je ne vais pas dire que je ne vais pas dire que je ne vais pas dire. Il y a un bon Dieu là, dans tout. And God with us. Et pas moi qui écrit. Alors, si c'est mon Dieu, Dieu là, je ne vais pas passer. Les salles déjà signées, déjà depuis des siècles. Il y a le fondateur pays, ça, c'est quoi, mon Dieu? Amen. C'est-à-dire que nous devons retourner à la source. Pour nous, nous devons tracer la vie pour nous-mêmes. Amen. Même Dieu l'a forcé, il a fait l'optimale. L'optimale, mais $1. Allez, nous là, on a pas joué. And God with us. Même si pas fini définitivement, mais l'écrit. L'écrit. Et ça fait que je dis, si on l'a vu, qu'à bail, ou qu'à venir dans une zone, qu'à prendre la vie à tout. Il va pas faire. Il y a une infinité par là. Il y a un problème par là. Il va ouais. Mais quand même. Où est-ce que tu es là? Levez-moi, dis merci Jésus. Merci Jésus. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Nous avons la repentance, c'est important pour moi avant. Nous avons la conversion. Nous avons la foi et l'obéissance. Pas vrai? Non. La foi et l'obéissance. Tout ça, ils ont marché ensemble. Je prends les versets pour terminer. Matthieu 16, verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Depuis le verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est l'offre dans le royaume, dans le monde. Il dit que si un monde veut venir avec moi, il doit renoncer à lui-même. Renoncer à quelqu'un qui veut dire ça. Oui, il y a le renoncement, il y a la soumission. C'est deux étapes. Deux étapes majeures pour entrer dans la repentance. Faut d'accord pour moi, qui ça? Première, c'est de qui ça? Faut me renoncer. Deuxième, il faut me faire ça? Faut me soumettre. Il dit, verset 25, il dit, quand celui qui voudra sauver sa vie, t'appelle là. Sous ta pensée que c'est Jean il est là, Jean-Moi est là, nous t'avons sauvé vie nous. Pas vrai? Ou a perdu. Mais celui qui l'appellera à cause de moi. Mais le monde qui t'a perdu la vie à cause de moi. Qui ça dit? Là. Là, tout, là. Répétez-nous, mes amis. La trouvera. Verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Qui ça sait faire avec un homme ou de gagner tout le monde là? Et puis perdre un homme ni. Or, que donnerait un homme en échange de son âme? Qui ça un homme capable de bailler comme échange à un homme ni? C'est ça qui fait que, pour les damnés, le Seigneur est réservé qui ça? Réservé la paix. Donc, Matthieu 25, verset 41, dans tout, après ça, là, nous finis là. Ensuite, il dira à ceux qui sont à gauche, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Verset 42. Quand j'ai eu faim, on allait là. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu et en faim, ou et en soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes, à la vie éternelle. Tout ça, vous n'avez pas fait pour un châtiment éternel qui vous réservera vous-même. Donc, ma prière, on a apprécié le Seigneur, malgré essayer de mélanger deux enseignements ensemble, c'est l'affaire, qui ne peuvent pas développer. Mais espérons l'autre jour, on va développer l'enfer ensemble avec. Que mon Dieu bénisse. Amen. Levez-moi, dis merci Jésus. Merci Jésus. Dis merci Jésus. Merci. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Yeah.
bénisse. Que nous garde. Gardez-nous, Seigneur. Que nous protège. Protégez-nous, Seigneur. Que nous donne la paix. Que nous fortifie. Fortifiez-nous, Seigneur. Que la paix qui surpasse toute intelligence demeure en nos cœurs en Jésus-Christ, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Allez en paix dans le nom précieux de Jésus. Amen.